Salut à tous, match retour contre le Barça. Ça va être tendu. Salut tout le monde, heureux d'être avec vous en direct de Berlin dans cette Olympiastadion. C'est une nouvelle rencontre que nous allons vivre ensemble avec Pierre Ménès. Le match aller de cette demi-finale s'est soldé, on s'en souvient, par une défaite pour le Barça. Il faut donc absolument s'imposer aujourd'hui côté catalan. Le Hertha Berlin contre le FC Barcelone. Oui, le Barcelone qui s'est incliné au match aller. L'écart n'est pas énorme entre les deux équipes et je sais que c'est banal, mais vraiment tout peut arriver. On regarde à présent la composition du Hertha Berlin, le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Busquets, il perd le ballon. Attention! Et l'ouverture du score! Le premier but dans cette partie qui commence très bien. Ces images nous montrent encore, il avait parfaitement suivi l'action, il était bien placé pour conclure cette action. Je ne vois pas ce que le gardien peut se reprocher là-dessus. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Doda. L'espace s'est rendu direct à l'adversaire. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Hop. Et on va faire un changement de dispositif. Je vais jouer ultra défensif. Voilà. C'est comme ça, on n'arrive pas à se qualifier, je comprends pas. Du changement côté Hertha Berlin. Ouais, il fallait changer quelque chose dans cette équipe. C'est chose faite maintenant. Attention à ce corner. Young. Est-ce qu'il va pouvoir. Regardez ça, c'est maillot. Blanc et bleu. Faut tourner en attendant. Je joue comme la France. Hein. C'est pas possible de se rater à ce point-là. Oh, mais tu sais, en foot, tout est possible, hein. Même en danger à ce point. Boyata. Luciano Viato. Doda.
Ok, Bakio. Calou. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Cherchez la voiture, bien sûr. Stegen, qui n'a pas capté le ballon. Merci. Avec De Jong. Lionel Messi. De Jong. Attention, ça peut être dangereux. Messi. Suarez. Averts. Mais ça va, je suis quand même devant. Jouer dans cette confrontation. Un but de plus si on prévoit la prolongation. Et ils égalisent donc un but partout. Boyata, Luciano Viato. Doda. Davis. Calou. Luciano Viato. C'est un bon espace et c'est cadeau. Avec De Jong, de Suarez. Quoi, une bonne séquence de passes des Barcelonais. Jordi Alba, centre pour Suarez. Ouais, le gardien qui s'impose sur ce centre. Ok, Bakio. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Les Blaugrana qui ont le ballon. Havertz. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Et le magnifique arrêt du gardien. Doda. Davis. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Merci. Guine Young. Ballon qui est donné en profondeur. C'est mal exploité. Putain, c'est la panique. Panique au poulailler. Interception de Sergio Busquets. Jordi Alba. Avec De Jong. Sergio Busquets. Messi. De Jong. Ouais, un bon ballon d'attaque. Kai Havertz. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Le salut bientôt. Doda. On cherche des solutions là. Le centre qui ne donnera pas grand chose. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Sergio Busquets à la lutte. Clément Lenglet. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Attention, il a du champ devant lui. Griezmann. Un mauvais contrôle qui lui fait perdre le ballon. Antoine Griezmann. Messi. Griezmann. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Pas bien négocié. Pas bien négocié ce ballon. Le Suarez. Passe en profondeur qui est intercepté. Il était bien placé, le défenseur. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle. C'est dévié. Ce sera une touche. Ça va être long ce match. Le salut gâteau. Disponible. On cherche la faille dans la défense adverse et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Doda.
essaye de trouver la faille. Sergio Busquets, Luis Suarez, Havertz. Lionel Messi. Ah non, le ballon est perdu. Qui fait tourner tranquillement dans sa moitié de terrain. C'est à l'adversaire de venir tenter quelque chose. Doda. Transmet ce ballon. Allez, ça joue vers l'avant. Allou. Cherche une solution. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Le gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. Messi. Lionel Messi. Havertz. Sergio Busquets. Oh oui, encore une bonne passe. Cette attaque qui va en rester là. Passe par le gardien. Allez, un peu égalisé là. Les Blaugrana qui ont le ballon. Non, c'est contre Suarez. Ouais, bon arrêt sur cette tête. Milan Skriniar. Et cette demi-finale retour. Putain, j'ai mal au dos. Tellement je suis tendu. Dépouler déjà et une bonne partie du chemin est faite pour cette équipe. On va dire que pour l'instant, c'est le scénario idéal avec ce but d'avance en score. C'est parti pour la seconde période de cette demi-finale retour. Busquets. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Interception de Sergio Busquets. Ouais, Messi, ça c'est bien joué. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Le corner, le ballon en pleine surface. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Luque Bacchio. Luciano Viotto. Doda. Ça c'est bien sur l'aile. On cherche des solutions là. Ça peut devenir dangereux. Il arme sa volée. Et le ballon bloqué par le gardien. Ballon à l'adversaire. Du gardien, mais ça peut revenir. Touche dans le camp adverse. Je t'aime. Il arrive dans un quart d'heure. Là, t'as t'aime. Davis. Attention, peut-être le centre. Et les gardiens qui sont dans le ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Havertz. Avec De Jong. Ah, ça joue physique, hein. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Ouais, bien arbitré la loi. Oh merde, hein. Griezmann.
rentrera dans les occasions comme ça, il ne faut pas les rater. Dire qu'il avait l'égalisation au bout du pied sur ce ballon, bah c'est sûr qu'il peut s'en vouloir. Hein. Et finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Bien réfléchi quand même, on dirait. Davis, Duda, Luciano Viato. C'est juste de la tactique hein, ce match. Désolé s'il n'y a pas de spectacle, mais je vais aller en finale. C'est vraiment un bloc, tout simplement. Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Alors qu'on arrive au et gagner du temps comme on peut. Plus qu'une demi-heure à jouer. Boyata. En finale, ce sera pas comme ça. En finale, on donnera tout. Là, je donne tout, mais contre le Barça, faut jouer spécialement. Luciano Viato. Enfin, d'une manière Duda. Spéciale. Boyata a complètement raté cette passe. Frankie de Jong à Vertz. Oh mon dieu. Et un but qui fait du bien à cette équipe car il lui permet de revenir à la hauteur de l'adversaire sur l'ensemble des deux matchs. C'est pas impossible qu'on soit touché un peu plus tard. Ce but, eh bien, c'est l'égalité parfaite désormais entre les deux équipes sur l'ensemble des deux rencontres. Ouais, ça peut encore basculer, mais forcément, ils prennent un avantage psychologique là en marquant. Et 2-1 donc maintenant. Davis. Luciano Viato, très bonne anticipation sur ce ballon. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Clément Lenglet avec De Jong. Havertz. On va pas changer de tactique, hein. On va donner le tout pour le tout. Soit ça passe, soit ça casse, tant pis. Hein. On y croit, bordel. Havertz. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Soit, oh, la belle passe de Luis Suarez, magnifique. Guignan, Havertz. Il avait tenté de retourner, mais il a trouvé le gardien sur son chemin. Qui est dégagé. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Elle cède donc sa place après une très belle prestation. Il remercie d'ailleurs ses supporters au moment de quitter le terrain. C'est bien ce qu'il a fait dans ce match.
Le sort de Viato. Très belle récupération là. Le gardien qui soulage sa défense en écartant le danger. Jordi Alba. L'espace s'est rendu direct à l'adversaire. Bacchio. Oh, attention! En France qui parvient finalement à s'en sortir. Sergio Busquets. On tacle. Et le ballon qui sort en touche. Milan Skriniar. Ce sont les Berlinois qui ont la balle maintenant. Ça part. Allez, je sens qu'on peut mettre ce but décisif. Oh, c'est contré. Alerte! Bien tiré quand même, évident. Le corner en direction. Attention, le corner. Le gardien qui toque sur le ballon. C'est bien fait. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire. Bacchio, qu'est-ce qu'il va faire? On cherche des solutions là. Il centre sur le défenseur. On le sait, dans les matchs serrés, c'est les coups de pied arrêtés qui font souvent la différence. On va voir si j'ai raison. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Il a dégagé hein, ce ballon qui était dangereux. Attention, cette passe. Allez, on peut dire que ça a été chaud hein, pour la défense. Ouais, il a le temps de centrer. Luciano Vietto cherche la faute. La défense adverse. Il cherche quelqu'un en premier poteau. Stegen, attention, l'action qui se poursuit. Il essaye de trouver la faille. Il continue d'avancer. Sergio Busquets. Attention, parce qu'il serait capable de marquer maintenant. Attention à cette action des Blaugrana. Pas sûr que ça se termine sur un match nul tout ça. Carrieuse. Le gardien qui repousse, il y a tout le danger. Et fin prolongation. De temps à l'instant, espérant qu'on n'ira pas. Ouh, Carrieuse, merci. Possible de se rater à ce point-là. Non, mais tu sais, en foot, tout est possible, hein, même en danger. Messi. Suarez. Hertz. Et le but. Oh, attention. Finalement, rien n'est joué dans cette confrontation. Et un but qui fait du bien à cette équipe car elle permet de revenir à la hauteur de l'adversaire sur l'ensemble des deux matchs. Merci. On a eu l'occasion de rêver de mettre la pression sur l'adversaire. Faut bien le tirer quand même. Thank you.
C'est chaud. Il va falloir du jus, hein, de la force mentale pour disputer cette prolongation. C'est vrai que le physique va avoir un rôle de plus en plus important au fil des minutes. Ok, Bakio. Sergio Busquets. Cherche une solution. Il progresse vers le but. Ce sont les Berlinois qui ont. Oui, Davis tout seul. Il cherche une ouverture, bien sûr. Ballon qui est donné en profondeur. Ah, il y a du monde au second poteau. Oh putain. Jordi Alba. J'ai cru que j'étais dessus. Un petit peu d'air avec ce dégagement. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, c'était juste et dangereux. Allez, il continue. Ah non, le ballon est perdu. Calé. Ok, Bakio. Ah, la bonne inspiration sur cette passe. Oh, oh. Là, attention, c'est pas fini. Le ballon allait rentrer et je crois que je suis pas le seul. Allez, prochaine fois ça ira dedans. Putain. Ouais, t'es vieux ça. C'est quelqu'un pour l'aider. Bien joué, gamin. Les propres, le ballon toujours en jeu. Davis. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Avec De Jong. Côté des passes, c'est assez fluide dans cette équipe. Ouais, je crois que l'entraîneur a beaucoup insisté sur ce secteur de jeu et que les joueurs. Le centre qui sera pour le gardien, tranquille. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Alors, les défenseurs sont revenus. On aura droit à une petite minute de temps additionnel. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, fin de la première période de la prolongation. Les joueurs qui vont changer de côté. C'est chaud. La seconde période de la prolongation qui commence, Pierre. Oui, entre deux équipes qui ont l'air quand même vraiment marquées sur le plan physique. Antoine Griezmann. Jordi Alba. De Jong. Griezmann. Il avait sûrement mieux à faire. Ouais, cette tête ne donnera rien. On a la sensation qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait avec le ballon. Enfin, c'est plus qu'une sensation, c'est même. J'espère pour lui. C'est, on espère pour lui. Ouais.
appel. Débat, Luque Bacchio. Cherche une soumission là. L'ouverture. On cherche des solutions là. Allez, il faut centrer. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé cela. Ter Stegen, attention, l'action qui se poursuit. Le ballon qui est dégagé, ce sera un corner. À jouer dans cette seconde période de prolongation. Allez, il y a du monde autour de lui, il y a peut-être un coup à jouer. Ouais, on passe par les côtés. Jordi Alba. De Jong. Antoine Griezmann. Avec De Jong. Il cherche une solution. Ouais, le ballon qui est perdu. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Les 5 dernières minutes de ces prolongations. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Ok, Bacchio. Luciano Vietto. Il progresse. Tir. Oh, le but peut-être. Oh, comment il rate ça? Oh, mais comment il a pu rater ça? C'est pas possible! Ouais, en plus, le gardien était totalement aux fraises là. Oh putain, c'était le but de la qualification. Young, ça peut Busquets. Parmi Alba. Un très bon ballon là pour le Barça, peut-être celui de la victoire. L'arbitre a décompté 2 minutes hein, de temps additionnel. Les Blaugrana qui ont le ballon. Perdu par Busquets. Un peu savoir jouer au pénalty, les amis. Puisqu'on va avoir droit à une séance de tir. Quel match. Alors les tireurs. Allez. Ça va être le premier tir au but de cette séance. Oh, oui, c'est dedans. Antoine Griezmann face au gardien. Oh, il rate son tir au but, il le rate. Ouais, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir maîtriser ses nerfs. Beaucoup de pression. Penalty transformé avec succès. Ouais, un péno bien tiré, il s'est appliqué, ça passe tranquille. Eh bien tiré ce penalty, c'est fait. Impeccable, plein de sang-froid. Le moment est important, le tireur se prépare. Et le penalty transformé. Oh, c'est manqué. Oh, il se prend la tête dans les si mains. Si je marque, c'est bon. Alfonso Davies. Décisif, surtout ne pas craquer. Et oh putain. Ouais, très bonne anticipation. S'il ne marque pas, c'est terminé. Hey, Karius. Et il transforme ce pénalty sans trembler. La pression est énorme sur ses épaules. Le ballon de la victoire pour Doda et tout un stade qui peut exploser. Et
Seconde qualification. Oh putain, quel match. Ce sera joué au mental cette demi-finale. Et bravo au dernier tireur qui a su faire le vide dans sa tête. Doda, c'est vraiment l'homme du Hertha. On va s'en sortir à l'intime, il a 30.